petit haul. Donc, j'ai acheté à Noz les brumes Merci Andy, celle-là à la fleur. C'était 50 centimes l'unité. Donc, j'ai pris celle au Monoï. J'en ai pris deux. Une bleue, je crois, c'est à la menthe, la bleue. J'ai pris deux petits gels bactériens à la noix de coco. C'était Cocorico, 50 centimes l'unité. C'était les deux derniers. Et j'ai pris deux dentifrices Merci Andy à la menthe. Donc après, j'ai pris deux gommages pour le corps de la marque là, comme ça, à 2,40 € l'unité. Donc un à la papaye et un aux fruits rouges. À Babou, je ne me rappelle plus trop du prix, la bombe de bain Blanche-Neige. Hop. Je m'y suis pris une petite statue de Marie à Cultura et c'était 19,99 €. À tout le temps à Cultura, j'ai pris des dies. J'ai pris une petite licorne et une petite fée à 1,59 € et les deux 1,59 €. Comme ceci. À Noz. Je me suis pris une palette vide pour les palettes P2 à 1,39 €. Elle est vide, mais pour mettre les fards Camaman qu'on trouvait à l'unité, comme ceci. Toujours dans la marque P2, j'ai pris un stylo pour les yeux avec l'alecteur qui est en dessous pour les yeux à 0,99 centimes. Comme ceci, il est marron. Comme ceci, marron comme ça. Et en dessous, il y a le highlighter comme ceci. Donc, je me suis pris le fond de teint Caution en teinte de sable de la marque T. Leclerc. Donc, je pense quand j'aurai 5 minutes, je vous ferai un crash test du fond de teint. Donc, je l'ai testé un peu pour voir est-ce que c'était la bonne couleur pour moi, bien sûr. Donc ça va, c'est pas trop foncé, donc un tout petit peu c'est clair, donc c'est bon. Donc voilà, je vous ferai un crash test sur ça quand j'aurai 5 minutes. Donc voilà. À Noz, je me suis pris des petites lingettes démaquillantes bio. Il y en a, je crois, 10 dedans pour 0,99 centimes. À Noz, je me suis pris deux bandeaux pour les cheveux à 1,99 centimes, un bleu et un rouge. Je me suis pris à Noz un joli bracelet de la marque c'est la marque Ibanama ou je prononce mal à 17,99 €. Il se présente comme ceci en taille L. Je l'ai pris, faites attention, il y a des tailles donc à regarder. À Noz, je me suis pris un petit vernis P2 à 0,95 centimes et c'est cette collection là de P2. À Action, c'était 0,99 centimes les sachets de perles de bain. J'ai pris Marie, je crois c'est Pompon, si je me trompe pas, je sais plus. Celui-là, je connais pas trop. Je crois c'est Balou. Je crois ça c'est Dumbo. Ça c'est le Roi Lion. Et ça c'est les sangs d'Abincien. Donc voilà. Je me suis pris une petite bande de stickers à Action. Je crois c'était 0,60 ou 0,90 comme ceci. Et après, on va passer sur des bijoux de la marque Edblade. Donc, je vais tous les sortir. Je les ai mis dans une pochette pour ne pas les paumer. Donc, j'ai trouvé deux colliers, ça c'est sûr. Alors, j'ai trouvé un premier collier à 0,79 centimes. Comme ceci, de la marque Edblade. Hop, hop. C'était celui-ci.
Le deuxième collier, c'était toujours au même prix. C'était celui-ci. Pour le même prix. Hop. Après, on va passer aux bagues. Donc, toujours au même prix. J'ai pris cette bague-là, comme ceci, avec un petit diamant discret, très discrète. Dans la même collection, à peu près, toujours au même prix. Elle se présente comme ceci, avec plein de diamants tout autour, toujours discrète. Après, toujours au même prix. Faites attention, il y a des tailles sur ces bagues-là, surtout. Je précise bien. Donc, je me suis pris celle-ci, comme une croix avec un petit diamant au centre noir. Moi, j'ai pris beaucoup du 17,5 ou du 18. Ou des fois, ça peut arriver que je mette jusqu'au 19, ça dépend. Comment c'est taillé. Hop, celle-ci, une petite étoile dorée, comme ceci. Après, j'en ai trouvé une en argenté, toujours en 17,5, comme ceci. Et la dernière que j'ai trouvée, je crois, c'est toujours du 17,5, toujours au même prix. Hein. Donc, c'est celle-ci, grosse comme ça. En rose gold à moitié doré. Donc, voilà, je vous ai présenté tout mon haul. Donc je vous fais des gros bisous les amis. Bye bye.